L'étude que nous avons menée avec mon équipe à Besançon est tout à fait originale. Il y avait bien longtemps que nous n'avions pas mené une étude aussi ambitieuse sur le plan des mécanismes et des résultats que nous étions en droit d'attendre d'une stimulation mécanique de la peau. Cette étude est caractérisée par un suivi clinique, une amélioration des effets sur un hémivisage, puisque l'autre hémivisage était contrôlé, c'est-à-dire non traité. Et puis surtout, nous avons regardé au microscope électronique les biopsies de peau prélevées de chaque côté. Et enfin, ce qui est parfaitement original, c'est que nous avons mis les cellules prélevées de la peau directement dans un milieu de culture et nous avons pu voir ainsi leur comportement. Et c'est ainsi que nous avons eu l'immense surprise de constater que ces fibroblastes étaient capables d'avoir une plus grande mobilité, d'être plus mobiles au sein du derme, mais également de produire plus de 80% d'acide hyaluronique par rapport au côté non traité. Bien sûr, d'autres marqueurs ont été dosés, que ce soit l'élastine, une production de plus de 40%, 45% environ, et puis des enzymes de régulation, tout cela expliquant le bénéfice qui a été observé avec une amélioration d'au moins deux scores sur un score de ptose du visage en deux endroits, ici au niveau de l'abajoue et au niveau de l'angle mandibulaire.